Ce soir, Emmanuel Macron a réuni autour d'un dîner les cadres de la majorité pour avancer sur le dossier brûlant de la réforme des retraites et le chef de l'État aurait <coughs> rempli la menace de la dissolution de l'Assemblée nationale en cas de vote d'une motion de censure. Des propos confirmés ce matin par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui n'ont pas tardé à faire réagir les oppositions. Ce que je peux vous assurer, c'est que le président de la République considère qu'il a été élu, c'est une évidence, qu'il dispose d'une majorité majorité relative, mais une majorité à l'Assemblée nationale, et que si à un moment ou à un autre, la totalité des oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, ils s'en remettraient aux Français. C'est la Constitution, euh, c'est une décision qui lui appartient. Après, je le rappelle, consultation de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. C'est du chantage. Quelle violence. J'entends donc... Hein, J'entends donc le président de la République agiter la menace... De la dissolution nucléaire, de faire exploser l'Assemblée nationale. Moi, je propose qu'il y ait un référendum sur cette question. Alors, on pourrait, on ne sait pas si Emmanuel Macron a dit comme Poutine, c'est pas du bluff, mais vous l'interprétez comment <laughs> Moi, je, politiquement parlant, je pense que s'il ne fait rien, rien ne va se passer. Et très rapidement, je pense que les concurrents dans son propre camp, qui veulent sa succession, vont se mettre en, en, en marche. Et je pense que ça, ça le dérange. Donc il doit au moins faire un peu de politique. Et là, il fait un peu de politique. Olivier oh. Moi, je me pose la question euh, de sa volonté de faire passer d'un point de vue politique cette, euh, cette réforme. Parce que bon, moi, je suis persuadé qu'elle est absolument nécessaire, mais, mais qu'on ne lui demandera pas des comptes euh, d'ici cinq ans. Elle est nécessaire pour la France à long terme. Bon. Pourquoi il le fait Probablement parce qu'on a besoin, à un moment donné, d'un bilan, de quelque chose. Et c'est devenu un symbole. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on est, qu est parti de très loin. On est devenu, ça devait être une réforme systémique. Euh, un à base de justice sociale, ah. restreinte à point. Euh, un euro donne un point. C'était formidable. On était dans cette idée. Or, oh, on va tout casser. Finalement, on reste sur un truc paramétrique à minima, c'est plus du tout, du tout la même histoire. Mais vous pensez qu'elle est nécessaire, contrairement à vous euh, Non, elle est pas Je ne pense pas, pas qu'elle soit nécessaire. On est pas Alors, <laughs> non, mais déjà pourquoi est pour elle n'est bah ouais. ouais. ouais, pas, ouais, pas ouais, nécessaire on quand, quand on lit les études de la Dares, qu'est-ce que nous disent les études de la Dares 40% des ouvriers estiment que le travail délabre. Euh, 50% des gens qu'on qu'on interroge, pardon, disent qu'ils ne pourront pas faire le même travail à 60 ans. Il faut prendre en compte ces choses-là. La population française vieillit. Si elle vieillit, est-ce qu'on ne doit pas consacrer une plus grosse partie de la richesse créée aux retraites moi, je pense que oui. Euh, je veux dire entre 1970 à, à aujourd'hui, on a consacré une plus grosse partie de notre richesse créée aux retraites et ça s'est très bien passé. Et c'était un gros choc démographique beaucoup plus élevé que le choc qui nous attend. Et pourquoi on ne veut pas le faire aujourd'hui Pourquoi on ne veut pas le faire Parce qu'on veut faire des économies, c'est tout. Pourquoi on est passé de la retraite à point à l'allongement de la durée, la durée de travail Parce qu'on veut faire des économies, c'est tout. Donc on peut nous dire que oui, c'est pour plus de justice, oui, c'est un changement systémique. Moi, pour moi, je ne vois que des économies. Et, et vraiment, l'autre la, fois, j'entendais euh, sur une radio euh, Bruno Le Maire qui nous disait. Que euh, la réforme de la retraite, c'était 8 milliards d'économies. Puis quelques minutes après, il nous disait que la baisse des impôts de production, c'était 8 milliards. Bah, là, moi, je vois une équivalence comptable qui est assez intéressante. C'est pas, pas un crime de vouloir faire des économies quand on a euh, un déficit une et une dette euh, aussi élevée, non Comment ça euh, Déjà, là, euh, le, le système de retraite est excédentaire. Euh, il y a 25 pour longtemps. Il y a, Bah Oui, mais il y, a, il y a quelques années, on nous disait que là, il allait être déficitaire, il est excédentaire. C'est la première des choses qu'il faut dire. Et mais puis, il ne s'agit pas après... de financer le, le régime des retraites, il s'agit de financer ah, les autres dépenses de l'État a plein en travailleurs plus. Exactement. Et on a déjà 3 000 milliards Moi, je, milliards je crois qu'on finance plutôt les baisses d'impôts qui se sont ajoutées aux baisses précédentes. Quand même, il faut rappeler une chose. Sur le premier quinquennat Macron, il y avait plus de 20 milliards de baisses de fiscalité sur les impôts et les plus riches. Et de l'autre côté, il y a eu 25 milliards d'économies sur la sphère sociale. L'assurance chômage et l'assurance maladie avant le Covid. Vous voyez Et donc là, il y a eu des, des, des cadeaux supplémentaires à peu près 8 milliards sur les baisses d'impôts de production. Je pense que la, la retraite compense ça plutôt que compense d'autres dépenses. Olivier Babo, votre réponse. Sur la pénibilité, qui est un, effectivement évidemment centrale, c'est prévu dans, le, dans, le, dans le, le projet. Il y a quelque chose sur la pénibilité, comme sur les retraites euh, minimales. C'est évident qu'on euh, ne peut pas prendre de la même façon euh, un travail qui détruit, qui délabre, comme, comme tu l'as dit, effectivement, et puis un travail normal. Donc ça, c'est clair. Après, il y a une loi des reins qui est celle de la démographie. Dans les années 60, il y avait 4 cotisants. Pour un pensionné. Aujourd'hui, on s'approche des 1 pour 5. Et d'ici 2070, mais bon, ça c'est dans longtemps, on sera quasiment à 1 pour 1, 1,1 pour 1. Pareil, si vous prenez une autre idée, aujourd'hui, vous avez 35 personnes de plus de 65 ans pour. Pour les personnes entre 20 et 64 ans, 100 personnes, d'accord 35 personnes qui sont personnes âgées, mettons, et puis euh, 100. Euh, D'ici 2040, on devrait descendre à euh, 35%. C'est-à-dire qu'on a 35 personnes euh, qui, euh, 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 qui sont. Euh, non, pardon, 50, 50 ouais. au lieu de 35. Voilà, c'est le contraire. Ouais. Hein, pardon, voilà. Donc ça, ça, ça s'alourdit. Et ce qui est terrible, ce qui est terrible, c'est que on sait que si on ne fait rien. Si on ne fait rien, le taux de remplacement, c'est-à-dire que l'argent qu'on va avoir après, en, en fonction de votre ancien salaire, il va faire que baisser aujourd'hui pour un cadre il a 54%, puis il va faire, il va faire que baisser et pire encore. Non, je en m'arrête sens... là. Pire, non, quand, pire encore. Il y a une injustice intergénérationnelle. C'est-à-dire que non, la, la cohorte, la cohorte 1960, elle a touché 160% de ses cotisations, c'est-à-dire qu'elle va récupérer 160% de ce qu'elle a mis. La cohorte 90, c'est-à-dire les gens qui sont nés en 1990, ils vont toucher moins que 100, c'est-à-dire qu'ils vont pas récupérer l'argent qu'ils auront mis. Et de des trois, des, des trois solutions, je suis désolé, mais soit vous augmentez les cotisations, on est déjà à 28% du salaire total, soit vous baissez les pensions, c'est pas possible. et bien, il faut travailler un petit peu plus. C'est le truc le moins douloureux en réalité. Bon. Je, euh, Dernier, vraiment, il faut conclure là-dessus. Bah, moi, coucure. je ne crois pas, quand on commence à 18 ans, et que, et qu on a, quand on commence à travailler à 18 ans, on a un bas salaire, et que là, on va sortir avec une décote si on veut arrêter de travailler à 60 ans. Sur les carrières pas longues, il y a un, si, un dispositif pour les carrières longues. Si, si, conclure, si en France, il y a deux tiers de la population qui est vieux, il est normal de consacrer Créer une plus grande part des richesses. Parce que si les pensions diminuent, qui est-ce qui va compléter et bien, c'est nous, avec notre argent, et ceux qui ont les moyens le feront, ceux qui n'ont pas les moyens le feront pas, et les vieux travailleront.